on a camé.
faut aller vite là maintenant. Ça va se dégager rapidement, t'inquiète. Ok. Ouais, bien, attention quand tu retournes. Mademoiselle Bois du Roux, la noire et la Marie de Bois, à jamais dans ma vie. Faut pas croire que ça, c'est tout ce qu'on s'imagine. Encore un. Allez, Augustin. Bravo Augustin. Avec le grand, l'autre, c'est pas rien. Et regarde, tu vas le faire. Je vais essayer plutôt. Bien. Le matin de Charleston, là. C'est bien difficile, je trouve. Une toute première, j'avais 12 ans. Mais les diagonales de quel angle? Gagné. J'ai gagné. Moi je la veux bien, maman. C'est terrible, c'est pas mal. Ça, c'est une fois que vous contrariez les lettres. C'est pas évident. Merci pour vous. Vous savez, j'arrive pas. Le fil, ça sonne pas, il faut vraiment que tu touches longtemps. Regarde, tu vois. Si, si, il est allumé. Mais il faut vraiment que ça touche longtemps pour que ça sonne. Oh, bah dis donc, elle est venue. Dangereux, ça. Light,
ça. Ah bah oui, il y a eu du bout. Les pouces en avant, les pouces en avant, les pouces en l'air, les pieds 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 en l'air. De la tombola qui a été distribuée tout au long de ces trois derniers mois. Donc, pour la tablette numérique, c'est Monique Rinaldo de Dom Marie Barrancourt et bonne fête à toutes les Moniques, c'est leur fête aujourd'hui. Pour la Smart Box, c'est Yolande Pals d'Arancy. Pour la plancha, Anne-Marie Etienne de Dom Marie Barrancourt. Pour l'aspirateur, c'est Jean-François Muller pour à Eton. Deux entrées à Thermopolis. Pour Bernard Collat de Billy et Françoise Jensen d'Eton. Et maintenant, nous allons annoncer le gagnant, celui qui a bien pesé le panier garni. C'est trop tard. Donc je laisse la parole à Jean-Marie Blondin. Le panier pesait combien, Jean-Marie ? 6,350. Alors, qui a dit le chiffre le plus proche ? 6,350. C'est. Il le mérite, je le sais, parce qu'il s'est réveillé très tôt ce matin. C'est... Il est venu en pont, c'est Marc Toussaint. Voilà. Donc il nous a donné au gramme près la bonne réponse. Donc bravo Marc, je ne sais pas s'il est là, ah ben il y a Claudine. Voilà. Donc Claudine, vous allez recevoir le panier. Bravo Claudine et Marc, le mérite bien, il s'est réveillé très tôt pour faire notre jambon. Voilà, bravo. La parole des gens.